Bienvenue sur ma chaîne Prince Artalis. Comment je vais attaquer cette vidéo, j'en sais rien du tout. Déjà je tombe dans une game où où il y a un Lee Sin qui veut me voler ma place. I report you for Instalock. Ok, bah report me for Instalock. Je m'en bats les couilles, les mecs. Sachant qu'on a dit jungle en même temps. Ai-je vraiment vérifié si c'était moi qui étais en premier ou lui? Je m'en bats les couilles. Moi, je me suis vu en premier en tout cas. Bref, tout ça pour vous dire, pour pas perdre du temps, que j'ai fait une nouvelle chaîne qui s'appelle LOL Contenders. Et en fait, cette chaîne va consister à faire du 1v1 sur League of Legends. Avec plus tard des tournois et des cash prizes à gagner, etc. Donc pour l'instant, c'est juste des petits combats comme ça, 1v1, jusqu'à ce qu'on crée des tournois. Et pour créer des tournois, bah, faut qu'il y ait du monde. Donc si vous jouez à League of Legends, bah, abonnez-vous et informez-vous sur cette chaîne, informez-vous sur ce que je vais y faire. Et vous verrez que c'est vraiment très très bien, honnêtement. C'est genre un concept où le premier qui a 6 kills, bah, il a gagné tout simplement. Et après, si c'est un tournoi, petit à petit, il monte et il finira par aller en finale et à gagner des euros, par exemple. Donc après, c'est à vous de voir, en fait, si ça vous intéresse, si ce concept vous intéresse. Bah, allez sur la chaîne LOL Contenders, il y aura certainement le lien en dessous, si j'ai oublié, dites-le moi. Et tenez-vous informés. Le premier combat, c'était Kawhi contre Zylock. Enfin, Talia contre Orianna. Et on s'est bien marré en commentary avec Badamu. À savoir que normalement, dans les prochains commentaires, il y aura Karnex, pour ceux qui connaissent, et Izios. Après, s'il y en a d'autres qui sont chauds, qui connaissent vraiment le jeu et tout, et qui aimeraient participer éventuellement en commentary, etc., on pourrait pourquoi pas essayer en tout cas d'intégrer quelqu'un ou quelqu'un d'autre ou mettre un remplaçant et qui sait, peut-être que si ça évolue bien et tout, ben il pourrait rester après dans l'équipe des commentateurs entre guillemets, parce que là pour l'instant ça va être plus des commentaires rigolades, hein, comme vous avez pu le voir, on n'est pas très très calé, mais ça va faire que évoluer de toute manière. Oula, j'ai comme l'impression que je vais mourir, moi. Oula. Oula là, que se passe-t-il ici? Il se passe des choses. Il se passe des choses. Ai-je envie de mourir? Peut-être que oui. Ah, c'est chaud, je suis désolé. Du coup, en fait, ouais, voilà, tout simplement. Et excusez-moi, je reprends. En fait, le principe, si toi tu joues à League of et que tu kiffes ce jeu, que tu sois bon ou que tu sois pas bon, c'est pas très grave. D'accord ? T'as toutes tes chances en 1v1 de toute façon, puisque les gens en général ils sont meilleurs en équipe et le niveau de quelqu'un en équipe ne veut pas dire qu'il est fort en 1v1. Donc, dans tous les cas. Dans tous les cas, t'as tes chances. Je suis toujours level 2 ? Putain, mais qu'est-ce que je fous de ma vie, en fait ? Mais en fait, c'est à cause de la vidéo, je suis en train de jouer n'importe comment. Et du coup, je vais back. Du coup, peu importe ton niveau, tu peux venir, en fait, et suivre la chaîne. Déjà, kiffer, parce que je pense que les vidéos vont être marrantes. C'est le but de la chaîne, hein, c'est de vous divertir. Et ensuite, si vous voulez, vous rejoignez un concours... Tout simplement, et ça va être super simple. Par exemple, on va dire, t'as un combat à faire contre lui. Vous nous dites à quelle heure tu t'ajoutes le gars en question. Tu regardes quand il est connecté, quand lui il est connecté et que toi t'es connecté. Hop, vous faites votre match.
Mais faut que vous nous préveniez pour que nous on puisse filmer le match, forcément. Vous faites votre match. Une fois que le match il est filmé, etc. On voit qui a gagné, qui a perdu, et ensuite on passe au suivant. T'as gagné, t'as perdu, ok, bah si t'as gagné, tu joues contre l'autre, et après ainsi de suite. Jusqu'à ce que t'ailles en finale par exemple, et que voilà, tous ensemble on kiffe en fait. Et après, ben, les gagnants des finales, par exemple, va gagner une carte 20 euros ou 10 euros pour s'acheter des skins, etc. Vous voyez le concept ou pas? Assez souvent. Donc, si tu veux gagner, reste sur la chaîne. Si tu veux gagner des trucs, reste sur la chaîne. Comme sur ma chaîne à moi d'ailleurs, hein, par rapport à Dofus, il y aura des. Toutes les semaines, il y a un concours de toute façon. Donc. C'est vraiment pour vous informer. Après, si vous voulez que le projet prenne en ampleur, etc., bah, la seule chose que je peux vous demander, c'est de partager cette vidéo à un maximum de joueurs de League of Legends. Enfin, cette vidéo, la chaîne plutôt, à un maximum de joueurs de League of Legends, parce que bah, plus on sera nombreux, plus on pourra se permettre de faire des gros tournois et de mettre des gros lots à gagner, etc. Après, c'est du 1v1, ça s'étudie, hein. C'est du 1v1. À vous de voir quel est le meilleur personnage en 1v1. Il y en a qui vont mieux farmer, qui du coup vont mieux pouvoir se stuff. Il y en a qui vont être des meilleurs tueurs en début de partie. Il y en a qui vont être des meilleurs tueurs en fin de partie, si je puis dire, parce que ça va que en 6. Donc en 6 rounds, il va falloir. Enfin, en 6 rounds. En 6 kills, il va falloir être assez rapide en fait dans ce que vous faites. Ah, j'ai plus de mana, putain. Un truc qui me gêne vraiment en fait, c'est que depuis tout à l'heure je parle et j'ai pas pris mon saut. Je suis niveau 4 et j'ai pas pris mon saut. Je suis en train d'un peu vraiment beaucoup faire de la merde en fait. Un peu beaucoup faire de la merde même. J'aimerais bien up. Voilà, enfin. Putain, il était temps. Bon, eh ben, je vais vous laisser sur ce très mauvais début de partie. En espérant que vous serez nombreux sur la chaîne LOL Contenders. Je vous mettrai le lien. Et bah, dites-moi ce que vous pensez de la première vidéo. Surtout que j'ai demandé en fait dans les commentaires, que pensez-vous de cette vidéo? N'hésitez pas à critiquer, etc. Dans le plus gros point, je pense qu'il faudrait supprimer la musique du jeu, si je compte mettre de l'autre musique, parce que du coup on entend les deux musiques. C'était un petit bug de ma part, donc ça c'est pas la peine de le notifier, hein. C'est pas la peine de me le dire, parce que je le sais déjà. Sinon, merci à vous pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, lâcher un petit pouce bleu et voilà, la partager, ça fait plaisir. A bientôt!